Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, mais j'ai très mal à la gorge. Donc, voyez les bleus. Ah, c'est pas du n'importe quoi. Bon, c'est pareil de l'autre côté, hein. Donc, constater les traces d'étranglement. On voit bien les doigts. Et il y avait les deux pouces sur ce qu'on appelle chez l'homme la glotte. Donc je ne peux plus lever la tête. Je bois deux gorgées. J'en garde une dans la bouche pour pouvoir boire. Donc excusez, hein, mais je ne peux pas forcer. Donc, bah, vidéo blabla, oui, parce que je ne peux, mon pouce, ça peut aller sauf cette articulation-là, qui est bleue de chaque côté, devant là, et derrière. Donc, la tête, pour l'instant, je ne la mets pas parce que je ne fais pas de. De choses forcées, mais il va falloir que je lave l'entrée. Le chien a fait pipi et caca. Bon, bah, je vais pas le retenir, hein. Je peux pas le sortir pour l'instant. Soi-disant que je lui aurais mis un coup de poing, moi étant fibromyalgique. Ayant une arthrose généralisée, surtout située dans le bassin et dans les mains, plus la scoliose aggravée sur la droite, j'aurais mis un coup de poing. Surtout qu'il m'est tombé sur ce côté-là. J'avais le bras coincé. J'ai mal à l'épaule. J'ai mal aux deux épaules. Non, non, j'étais coincée. Hein. Soi-disant que Michael l'aurait dit aussi. C'est ce que m'a dit le commissaire. J'aurais fait comment? Moi, je suis fibromyalgique depuis 14 ans. Voilà quoi. Bon, j'ai fait une sieste. Jusqu'à 15h30. Envie de pipi, cauchemar. Bon, ben, j'ai été aux toilettes. Je me suis recouchée. Jusqu'à 16h30. Et puis après, ben, j'ai mangé de yaourt avec des cornflakes. Bon, j'adore ça. J'ai mal à l'estomac. J'ai les côtes où il y a des bleus en dessous. Alors ça fait ça, comme ça, grand comme ça, en dessous les seins. Donc toutes les côtes. Et j'ai mal à l'estomac. Donc si ça continue aujourd'hui, je retourne à l'hôpital, je vais leur dire, écoutez, il faut un examen, comment, une échographie. Parce que c'est pas normal que j'ai mal à l'estomac comme ça. J'espère qu'il ne m'a pas touché des organes internes. Voilà. Tiens, bah, je vais remettre la tête tout de suite. Pas me faire mal. Il y a des poils dessus, j'aime pas ça. Ok, je vous montre. C'est simple à remettre la tête. Je coince le pouce. Et après, je serre. Voilà. Et après, je serre moins. De moins en moins.
Voilà. La telle est mise. Donc, vous voyez que mon pouce est maintenu. Côté aussi, c'est bien l'articulation que je coince. Donc voilà. Même les soupirs, ça me fait mal. Bon, j'ai retrouvé mes. Voilà, comment c'est trop mimi. Celle-là, avec le corail orange, et non pas blanc comme il est maintenant qu'il est mort. Pauvre bête. Oui, le corail, c'est une bête. Le corail, c'est vivant. Ça, moi, j'aime pas ça. Puis après, le petit renard. Alors, j'aime moins le petit renard. Bon, l'oiseau, j'avais pas vu qu'il y avait le bec et puis les ailes. Sinon, j'aurais fait. Bah, des fois, j'ai pas une bonne vue, hein. Donc, je vais faire surtout de plusieurs couleurs la tortue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut sauvegarder le corail. Non, puis ça, c'est enfantin. Donc, il y a le petit lapin et le petit faon aussi. Donc, je verrai. Je vais séparer les. Hop, il est tout rouge là. Là. Là, il est tout rouge là. Jusqu'à l'ongle. Tu n'avais pas vu. Il a bien morflé mon pouce. Je m'en fichais, j'avais le restant des doigts de libre. Je l'ai griffé. Il paraît qu'il est esquinté. Et te dire que c'était moi qui l'avais agressé. Du coup, j'ai fait un démenti auprès de la dame. J'aime. L'animatrice. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, non mais ça va, vous allez bien. Je dis, bah j'y retourne. C'était juste avant mon rendez-vous d'hier. Donc, comme je me sens pas en sécurité au GEM, j'ai décidé d'arrêter. Je ne vais pas là où il va. Et je sais quel jour il est coincé et qu'est-ce qu'il fait dans la semaine. Donc, bah, je ne sortirai pas ces jours-là. Si je sors, c'est que en étant caché et en attendant ma mère qui arrive sur le parking. Je lui ouvre le parking et j'ai juste à la rejoindre. Si c'est assez serré. Fatiguée, si vous saviez. J'ai forcé sur ma gorge en serrant les dents. Donc il y avait tous les muscles qui protégeaient ma gorge. Bah, ça se voit au bleu, hein. Je raconte pas des bêtises, hein. Mais les policiers, enfin les gendarmes, ils ont tout filmé. Ils ont filmé devant et puis derrière ma tête. Donc dès que j'attrape les cheveux, donc comme ça, j'aurais tout montré devant, derrière, ils m'ont dit.
Les doigts qui sautent nerveusement. Ouais. Ah, il paraît que je l'ai amoché. Bah, tant mieux. C'était le but. Mais franchement, un peu plus si j'y passais. Hein. Je me suis sentie me suis sentie partir. Après, il m'a soulevée et il m'a relâchée en me jetant par terre. Là, je fais. J'ai repris mon souffle. Je tremblais de partout. Les jambes, les bras, tout tremblait. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé la police, hein, le 17, voyant qu'elle bougeait pas son cul, j'ai appelé le SAMU. Elle m'a dit tout de suite, bougez pas, je vous envoie la police et les gendarmes et les pompiers. Ah ben, j'ai failli pleurer, mais j'étais tellement en colère que ça a pris le dessus. C'était là pour mon chien qui a failli tuer. Le pompier qui a mis de l'oxygène au chien. Après les gendarmes qui me pressent, je dis, oh, j'arrive tout de suite, j'étais en train de surveiller le chien là, oh, je peux pas. Alors quand ils m'ont vu arriver avec le déambulateur, ils ont dû se dire, ah bah ouais, il y avait des problèmes là. J'ai les doigts qui sautent tout seuls. Enfin l'index. Arrête pas de sauter. Enfin, c'est que du blabla, tout ça, mais mesdames, si vous êtes victime d'agression de la part de votre conjoint ou de votre mari, allez porter plainte. Faites comme moi, allez aux urgences, qui est constatation. Qui a un certificat médical. Ne vous laissez pas faire. Jamais je me laisserai faire. Jamais. Il est fou, il est bon à enfermer, hein. Franchement, il est bon à enfermer. Un chien de 8 ans, ça se prend même pas comme un chien de 2 ans. Il n'avait pas le faire marcher autant et il a dû le tirer ou je sais pas moi.
Je sais pas ce qu'il a fait pour le rendre comme ça, le chien. Il n'arrivait pas à respirer, le chien. Il faisait une crise cardiaque. Il y a un des pompiers qui a dit à l'autre, oui, c'est du côté gauche. Le gauche, c'est le cœur. Tout ce que je pensais en rentrant de ma déposition à la gendarmerie, c'était comment il allait. Si j'allais le retrouver mort ou quoi. Vous dire que je suis pas en bon état non plus. Bon, bah sinon, niveau scrap. Ah, les mouches. Pardon, c'est le café. Je suis désolée. J'ai du mal à ouvrir la bouche. Bah, vu que c'est tout en dessous là. Ah ben, il m'a bien esquinté. Sur le certificat médical, le médecin. Alors apparemment c'était un qui était un responsable. Il a marqué hématome multiple. Ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait multiple. Donc ça englobe tout. Mais je n'en resterai pas là. Croyez-moi, il va pas l'emporter au paradis. On va peut-être parler scrap. Je me mets comme ça parce que j'ai mes doigts qui arrêtent pas de sauter. Donc je me mets plus vers le bras que vers le poignet. Parlons scrap. Il faut que je travaille. Mais là, avant tout, il faut que je lave par terre. Donc il faut que je rince la serpillière. Et parce que le chien a eu de la diarrhée avant de partir, bah donc voilà, faut nettoyer. J'avais mis à tremper, donc normalement je devrais pas avoir de mal à la rincer, voilà quoi. Mais j'attends d'avoir un peu plus de force. Tiens, bah, j'ai envie de fumer une cigarette, donc je vais le faire.
en votre compagnie. Ça fait pas beaucoup de minutes. Je regarde les minutes. Hein. J'ai du mal. Hein. Oui, le matin, j'ai du mal à boire. Bah oui. C'est la vieillerie, qu'est-ce que vous voulez, hein? Bon, alors, à votre avis, quel âge j'ai? On va faire un concours. Celui qui trouve mon âge, il a gagné. Attention, un indice, je ne fais pas mon âge. Pas du tout. Alors, quel âge j'ai? C'est pas évident, hein, à deux doigts. Bon, je fais pas de la pub. Hein. C'est pas bon de fumer. Faut pas commencer. J'ai mal à la tête. Ça, je sais ce que c'est. Pourquoi j'ai eu mal à la tête? Manque d'oxygène. J'ai su me préserver. J'étais tellement en colère pour le chien que ça m'a donné la force de résister. Ouais, c'est vrai. Je vais avoir les yeux en dessous. Là, ça doit être tout rouge. C'est comme d'habitude, mais lui, il est tout rouge là. Ah, j'ai pas pleuré, hein. Loin de là. Oula, non, j'étais en colère. Les gendarmes, ils lui ont posé la question s'il avait fumé un coup de pied au chien ou quoi. Pour qu'il soit dans cet état-là. C'est véridique. Véridique. Mais bon, on est sain et sauf. C'est le principal. Oh, comment qu'il m'a esquinté. Oh, j'espère que les griffures, ça lui apportera des cicatrices. Quand le médecin aux urgences, il m'a examiné, il a touché les bleus. Bon, là, ça allait. Il a touché l'épaule. Je ne peux pas lever plus sa tête. Hein. Mais là, c'était. L'épaule, c'était costaud. Il a dû toucher un nerf. Oh.
Mais vous inquiétez pas, je suis costaud. C'est juste le temps que ça passe. Puis je vais me remettre vite fait à faire mes activités manuelles. Vous inquiétez pas. Mais bon, faut le temps que je guérisse, que mon pouce aille mieux. Parce que sans mes deux mains, bah, je suis ambidextre. Je fais quoi d'une main? Je suis un peu gauche maintenant de la main droite. Je me sers des deux mains. Donc c'est pas évident. Merci à toutes celles qui se sont manifestées en me disant pour continuer mes vidéos, que je faisais des choses qui étaient belles. Un peu normal, j'ai des goûts de luxe. Donc, si ça ne va pas, je refais. Je déchire, je refais. Comme le moonboard, l'aquarelle a débordé, j'ai décidé que c'était comme si ça avait été fait exprès, puisqu'on voit très peu les traits de crayon. Excusez-moi. Pardon, c'est le café. Ouais, non, mais j'ai mal à l'estomac. Ma mère m'a dit d'éviter le café. Bah oui, mais moi, sans deux cafés, j'ai le doigt qui saute. C'est nerveux. Et sans deux cafés, je me réveille pas. Je peux même pas dire non de la tête. Bon, je vais vous laisser là. Il est 10h02 à peu près. Je vais donner à manger au chien. Je vais attendre un peu qu'il fasse. Puis je vais nettoyer après. Je me repose parce que j'ai mal dans la colonne, les omoplates, donc tout le dos. Puis il y a des trucs qui se mettent et qui se mettent sur YouTube là. Il y en a déjà trois. Bon, allez, je vous dis à plus. Ne vous inquiétez pas. Déjà, je vais boire un coup d'eau. Ah, je vais vous montrer comment. Vous allez voir la différence avec avant. Ah non, c'est full clos. Je peux plus boire comme avant. Ceux qui me suivent, ils doivent se dire, oula. Ouais, non mais je peux pas boire.
Je vais revoir tout à l'heure, mais voilà quoi. Il y aura au moins une trace vidéo d'avant et après. Et j'ai toujours le doigt qui saute. Bon, allez, je vous laisse là, je vous dis à plus.